Bonjour, c'est Guillaume Bourgeois. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur la pompe Aztec. Donc la pompe Aztec, qu'est-ce que c'est? C'est ça. De profil, ça donne ça. Donc voilà la pompe Aztec. On décolle les jambes et les bras. On va toucher les pieds avec les jambes tendues ou quasi tendues. Donc l'erreur que font souvent les gens, je pense, c'est de vouloir décoller avec les bras. Alors qu'en fait, la puissance, elle vient des jambes. Tout vient au niveau des hanches et des jambes. En fait, c'est un mouvement en fait, en quelque sorte, on descend le bassin. On descend et on va repousser comme ça va faire un élastique avec les jambes en fait. On va pousser ce qui va permettre de décoller. On descend le bassin et on pousse le cul vers le haut, ce qui va permettre de décoller les jambes et d'aller les chercher très hautes. Donc au début, l'exercice que vous allez faire, c'est simplement celui-là. Travaillez sur ce mouvement-là. Position de pompe. Enfin, vous descendez la pompe. Quand vous arrivez en haut, bon, on décolle en faisant le jeu au niveau du bassin. On descend, on décolle quand on monte. Une fois que vous êtes à l'aise avec cet exercice, on va faire la même chose, sauf qu'on va décoller simplement plus haut. On descend les bras, on remonte et en remontant, on décolle. Avec le jeu du bassin. On descend, on remonte, on va chercher plus haut. On descend, on remonte. On descend, on remonte bien haut avec le jeu du bassin. Une fois que ça c'est acquis, il n'y a plus qu'à faire la pompe Aztec. Main au sol. On se met les pieds. On descend, on remonte, on pousse avec le bassin. Pour prendre l'impulsion et on va toucher les pieds, les mains décollent seulement après, c'est les jambes qui donnent l'impulsion. Une fois qu'on a bien décollé avec les jambes, on lâche les mains, on va toucher les pieds, ça se fait tout seul. Donc je vous montre de profil les trois exercices. Le premier comme ceci, on descend, quand on remonte, là on est bassin en bas, quand on arrive en haut, on pousse le bassin pour décoller. Le premier, le deuxième, c'est la même chose, sauf qu'on décolle plus haut, toujours avec le mouvement des hanches. Et ensuite, la pompe Aztec. Donc voilà, après. Pour renforcer au niveau des hanches, on peut très bien faire des exercices à une jambe. On va se positionner là et faire des impulsions à une jambe, ça peut permettre de renforcer aussi. Par contre, ne pas descendre trop bas le bassin pour pas se faire mal au lombaire. On peut descendre un peu, mais pas descendre trop non plus. Donc il est préférable de quand même de muscler les dorsaux. Pour pas risquer de se faire mal. Donc voilà, tuto sur la pompe Aztec.